Coucou les copains et les copines, aujourd'hui on vous retrouve parce qu'on a reçu le colis de chez Nathan Matériel Éducatif. Alors je crois que je me trompe, c'est Nathan Matériel Éducatif et pas pédagogique. Alors on a reçu ce colis alors qu'on a commandé il y a 3 jours. Et on a déjà reçu le colis. Donc on est super... Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Et nous on est super contentes parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ça quand le livreur a sonné. Alors on y va, donc on a commandé plusieurs petits articles sur le site. Déjà quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a la petite facture. Tu me donnes la facture, Aria, s'il te plaît, d'abord. Ok, donc wow, on a la petite facture. Il y a eu des coffrets. Il y a aussi l'email. Waouh. Attends, je regarde s'il y a tout. Ok. Oh, et ça, alors on va jeter le carton, il y a plus rien à l'intérieur. Tiens bébé, on va juste mettre un petit peu de gel parce que bon, il y avait quand même le carton. Allez, frotte bien, 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 bien. Frotte les doigts, comment on fait comme ça? Voilà. Tu as fait dedans aussi? Non, je t'ai pas vu faire dedans comme ça, les doigts. Voilà, et comme ça. Et aussi comme ça, super. Allez, Covid oblige, c'est parti pour nos articles. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre colis, Aria? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Alors, ça, c'est des plaques que tu me donnes? C'est des plaques, merci. C'est des plaques à motifs. Alors, du coup, j'ai commandé ça parce qu'il y avait des promos ce week-end. Vas-y, mon père. J'ai commandé, en fait, ben oui, j'ai commandé le 9 parce que les promos s'arrêtaient le 9. Donc, du coup, j'ai commandé le 9 et on a déjà reçu, on est le 12. Quoi. Je suis super contente. Ça va tout se faire ma main et tu vas voir, ça marche pas. Alors du coup on est vraiment super contente. Donc Nathan, c'est un site que nous adorons, enfin personnellement j'adore leurs produits. C'est vraiment en fait des articles que vous allez trouver en école, donc forcément c'est des articles éducatifs qu'on va retrouver en école maternelle, en école primaire, etc. Donc oui, c'est des produits qui sont un petit peu chers, j'avoue. C'est pas des commandes qu'on va faire tout le temps. Moi j'attends toujours que sur leur compte Facebook ils fassent des promos. D'ailleurs je vous invite à les suivre parce que vous avez très souvent des promos. Donc vous avez souvent des moins 15% etc. Mais aussi les livraisons gratuites. Donc ça fait que vous pouvez commander un article et puis en fait avoir la livraison gratuite. Voilà. Ouais, génial. Alors montre-nous. Donc ça c'est des plaques, je vais vous montrer. Donc c'est des plaques à traces, donc des motifs. Il existe aussi les plaques de Noël que je n'ai pas pris. Mais ceux-là je les ai payés. Dommage que j'ai pas la facture, j'ai que le détail de ma commande. Mais je les ai payés 3 euros et quelques. Donc ils étaient en promo. Donc vous voyez, vous avez en fait. Je te laisse ouvrir le reste, rien. Par contre, fais voir ça. Voilà, fais très doucement, exactement. On ne déchire pas le papier celui-là. Ah, va faire pipi. Vas-y, décidément. Alors, je vous montre pour les plaques. Donc, nous avons pris des plaques à motifs. Vous avez, en fait, c'est des plaques en plastique. Vous allez pouvoir mettre votre feuille par-dessus et repasser au crayon ou au pastel. Alors, pour les traces, pour les motifs, nous avons ces... alors, c'est des cercles, on dirait, c'est des spirales. Des cercles les uns dans les autres. Vous avez ce motif-ci, celui-là, oh elle est magnifique, vraiment ces fleurs elles sont trop belles, vous avez des fleurs trop trop jolies. Et de l'autre côté vous avez des cœurs avec des petites étoiles, des triangles les uns dans les autres, une grosse spirale, ça c'est rigolo, on dirait un escargot, Aria, t'as vu? Et ce motif là, donc ça c'est pour les plaques à motifs. Il existe aussi les plaques de Noël, je les prendrai, elles étaient les 4 à 2 euros et quelques, je les prendrai lors d'une prochaine promo parce qu'elles seront je suppose encore à 2 euros et quelques lors d'une prochaine promo. Voilà, ensuite nous avons, Ariane nous a sorti des mini peignes à traces, pareil, ils étaient en promotion, donc j'ai pris le lot donc de peignes. Alors ça c'est comment? C'est du plastique également, et c'est pour en fait faire des traces dans la peinture. C'est ce que tu nous as pris. Alors qu'est-ce que c'est ça? Mets-toi au milieu, on ne te voit plus. Alors montre-nous qu'est-ce que tu as.
Je n'arrive pas à sortir, mais c'est trop... Tu n'arrives pas à les sortir, mais je te les montre. Alors, je vais les sortir. En fait, il s'agit de grands pochoirs. À moi, pour ça, ça arrive. Je vais les couper. Alors, il s'agit de grands pochoirs à chiffres. Donc, en fait, c'est des pochoirs pour la peinture, pour le feutre. Enfin, si vous voulez des très, très grands pochoirs, comme vous voyez. Et en fait, je vais vous montrer, il faut enlever... le chiffre. Pas enlever moi le chiffre. Mais t'en as plein d'autres, hein. Je peux enlever les autres si tu veux. Mais j'ai pas d'autres. Hein. Comment ça, tu as pas d'autres? Si, si, on a. Donc en fait, voilà, il faut par contre les enlever nous-mêmes. Ils sont, si vous voulez, prédécoupés. Donc il faut faire très attention de ne pas les casser à rien. Surtout, il faut faire très doucement. On les fera tout plus tard. Hein. Donc en fait voilà, vous avez des chiffres comme ceci, Aria fait le 0, merci Aria, donc voilà, vous avez des chiffres, donc vous pouvez les faire en peinture, au feutre, ben, comme vous voulez. Et donc ceci, je crois que je les ai payés 2 euros et quelques aussi. Alors du coup c'est cool parce que bon, pas tous, mais il y en a qu'on a le pochoir vraiment comme ça et puis le chiffre est intact, donc on peut faire le pochoir, la peinture à l'intérieur ou la peinture à l'extérieur. Donc j'aime bien ce principe de double pochoir. Pareil, parfait pour le 1, génial. Le 4 aussi est entier, donc c'est cool, on peut le faire aussi en le 5 aussi. Après bon, il y a le 9 qui était divisé, donc le 9 ne servira pas. Mais le reste, oui, et apparemment, Ria est en train de faire le 2 et le 2 aussi. Donc j'adore le principe. Super, génial. Donc comme vous pouvez voir, c'est des grands pochoirs. Je vais vous faire un petit zoom sur les pochoirs. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, tous les pochoirs. Donc c'est vraiment des gros, gros pochoirs. Alors, on y va. Donc ça, ça fait partie du lot que j'ai pris, donc du lot de 2. C'est pour apprendre à reconnaître les nombres, comment ça se présente. On a le coffret par exemple de 10 à 20. Le coffret de 10 à 20, vous allez avoir en fait tous les chiffres donc de 10 à 20. Vous allez avoir le chiffre donc à reconstituer grâce aux 4 pièces de puzzle. Et en fait, de l'autre côté, vous allez avoir les 4 manières d'écrire 11. Donc le 11 en chiffres, en doigts. Alors ça, je ne sais pas encore, je ne suis pas très calée vraiment dans les manières de représenter les nombres et les chiffres, mais je pense que je sais pas, on dirait des jetons dans des boîtes, je suppose. Et là, vous avez les barrettes, les fameuses barrettes avec la barrette de 10 plus une unité. Donc, vous avez 4 manières de représenter les chiffres et ensuite le chiffre qui est à reconstituer dans sa globalité. Et vous avez tous les chiffres du coup. De 10 à 20. Et en fait, il s'agissait d'un lot. Donc, je pouvais prendre. J'hésitais. Vraiment, j'hésitais parce que Ariel connaît quand même les chiffres de 0 à 10. Mais on va dire qu'elle connaît plus les chiffres de 0 à 5. Donc, je voulais partir sur ce coffret-là. Et puis, finalement, j'ai dit bon, j'ai craqué, j'ai pris l'offre avec les deux. Parce que, voilà, de 5 à 10, c'est pas encore trop ça. Donc, je pense qu'on va commencer par celui-ci. Vraiment pouvoir comprendre avec les chiffres de 0 à 5. Ensuite, commencer la difficulté avec de 5 à 10. Et puis, on passera plus tard avec ces coffrets-là. De toute façon, l'âge est de 3 à 5 ans pour le coffret de 0 à 10. Et il est de 4 à 6 ans pour le coffret de 10 à 20. Et le dernier, Aria, alors qu'est-ce que c'est? Les roues des lettres. Tu le montres à la caméra? Alors, ce jeu, vraiment, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil sur le site de Nathan. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai raté la promo. Et donc, du coup, j'avais pas pu l'acheter. Donc, il m'a coûté en réalité 23 euros puisqu'il y avait la promo ce week-end. Et en fait, c'est un super jeu qui permet... Est-ce qu'on va arriver à ouvrir ce jeu? Moi, je vais ouvrir. Ah, je vais fermer. Voilà. Allez, vas-y, tire. Donc, en fait, c'est un jeu vraiment top, 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 hein, qui va permettre à votre enfant de...
d'assimiler en fait les écritures, les différentes écritures, et de pouvoir en fait les rapprocher les unes des autres. Voilà, donc en fait vous avez plusieurs ronds avec toutes les lettres. Donc la lettre écrite en capitale, en script minuscule avec la ligne pour bien montrer où est posée la lettre sur la ligne, et la lettre en cursive. Et derrière, vous avez du coup le même mot qui est écrit des trois manières différentes. Donc vous avez le hérisson en script minuscule, le hérisson écrit en majuscule, donc en capitale, et le hérisson qui est écrit en cursif. Du coup, ça permet de vraiment pouvoir aider l'enfant, grâce à la photo, de rapprocher les trois écritures. Ce qui me manquait des fois, parce que dans plein de manuels, vous allez avoir l'écriture. Par exemple, vous allez avoir marqué « voiture » en cursive. Donc, vous avez le « V » en cursif. Et juste après, vous avez, je ne sais pas, par exemple, vous allez avoir « valise » qui va être écrit en script. Et du coup, l'enfant va se dire « Ah, ça, c'est le V, ça, c'est le V. » Mais c'est difficile au début. Moi, je trouve ça hyper difficile dans les apprentissages de pouvoir rassembler deux lettres et se dire « Bon, ok, c'est pas la même écriture, mais on parle de la même lettre. » Donc ça, je trouvais ça un peu compliqué. Le fait d'avoir la même image, par exemple, arbre, d'ailleurs, je le trouve très beau, arbre qui est écrit de trois manières différentes, mais qu'on parle toujours d'un arbre, du coup forcément ça aide l'enfant à pouvoir se rapprocher et à pouvoir voir qu'on parle vraiment de la même lettre, du même mot. Donc ça, je suis vraiment très contente. Voilà, donc en tout, pour les roues des lettres, les roues des nombres de 0 à 10, les roues des nombres de 10 à 20, les six peignes à peinture, donc à trace, les six peignes à trace, les quatre plaques à motif trace qui sont en fait double face, et les pochoirs, j'en ai eu pour 68 €, frais de port gratuits. Donc vraiment, Nathan, c'est une marque que nous adorons, vraiment, nous adorons énormément. C'est vrai que c'est un peu cher, je ne commande pas tout le temps, mais j'adore avoir des coffrets de chez eux. Nous avons pour le moment le coffret des Abac. On a mon atelier Cube et Nombre. On a également l'atelier des mots, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vraiment le tout premier atelier des mots avec les lettres à mettre sur des barrettes en plastique. Ensuite, on a les cubes de numération et de construction, du coup. On a les Luditab, qui sont top aussi chez Nathan. Et bon, voilà, là on vient de compléter un petit peu notre collection avec ces coffrets-ci. Voilà, c'est un budget, c'est un investissement. Désolée, la vidéo a sauté, mais je vous disais que c'était un investissement qui en valait vraiment le coup et que je ne regrette pas du tout. En tout cas, pour ce qui est de l'école à la maison et des coffrets éducatifs. Voilà, parce que vous en avez des coffrets. Moi, nous, j'ai fait pas l'erreur, mais j'ai acheté les coffrets de chez Ravensburger, qui sont ma maternelle, ma première année, petite section, etc. C'est des coffrets qui sont sympas, mais après de là à dire que vraiment on développe une notion dans sa globalité, non. On développe pas une notion vraiment à fond. C'est des petits jeux qui sont super ludiques aussi, mais ils ne n'approfondissent pas les notions. Donc ces coffrets-là, oui, pourquoi pas, mais vraiment si on doit tabler sur un coffret éducatif qui va vraiment tabler sur une notion dans le cadre de l'école à la maison, je partirai vraiment, je vous conseillerais vraiment les Nathan. Les Nathan directement sur le site Nathan Matériel Éducatif. Voilà, en tout cas c'est mon conseil. Je vous fais de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montrerai éventuellement nos autres coffrets dans une autre vidéo, parce que celle-là était déjà quand même assez longue. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et je pense que je vous montrerai aussi nos Luditab, parce que vraiment c'est quelque chose à découvrir, parce que les Luditab c'est vraiment génial aussi. Donc je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. J'aime pas trop tout mettre ensemble, parce qu'après vous allez en avoir marre. Si ça vous a plu, si vous voulez connaître le reste de mes aventures et connaître nos autres outils éducatifs, je vous laisse vous abonner. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous fais de très très gros bisous, et surtout, surtout, amusez-vous bien. Gros bisous.